Bon, cette place, elle s'appelle la place du Général de Gaulle, mais tout le monde l'appelle Grand Place. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que cette place, elle est dominée par quatre femmes. Alors là, on a la déesse en son centre, qui commémore le siège de Lille par les Autrichiens en 1792. Si tu lèves un peu les yeux, là-bas, on a trois grâces. Extraordinaire. Depuis ma plus tendre enfance, je passe et je lève la tête et je regarde les trois grâces. T'as des souvenirs, toi, ici? La Grand Place, bah, c'est le passage incontournable. Voilà. J'allais dire, même musicalement, on a fait une paire de concerts ici. Ça, c'est l'un des beffrois de la ville. Ce n'est pas le plus grand, mais c'est le plus beau. Le plus grand, il est un peu plus loin et il fait 104 mètres. C'est le plus grand d'Europe. Ouais. Qu'est-ce que ça symbolise, un beffroi? La liberté des villes du Nord. Ouais, exactement. Et leur prospérité aussi. Cette Grand Place, elle est née au Moyen Âge. Et au début, évidemment, elle était vouée au commerce. Et le symbole de cette époque-là, c'est évidemment la vieille bourse. Moi, c'est ma chouchoute. Et qu'est-ce que ça représente, Lille, le Nord, pour toi? C'est là où je suis né, là où j'ai grandi, là où je me suis construit. C'est une identité populaire, c'est un brassage de gens qui viennent des quatre coins du monde. C'est là une région telle que je l'aime, avec des gens simples, chaleureux, ouverts, naturels. Mon côté ch'ti à moi. Ouais, bah, c'est bien, j'adhère. Et quand ma tchotte vient me voir en concert, ça me rappelle quand j'étais minot au marché. Bonjour Ashka. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre région natale, le Nord, pour un Lille des Arts exceptionnel. Vous venez de sortir un troisième album en solo, cette fois sans votre bande de saltimbanques. On va évidemment en parler dans cette émission. Mais avant, vous avez eu envie de nous emmener faire un petit tour au musée d'histoire naturelle de la ville. Pourquoi? Ouais. Vous aimez les dinosaures? Ouais, petit souvenir d'enfant. D'accord. C'est par là? Allez. Et je vous suis. Yeah. Vous êtes passionné par les oiseaux en tout genre. Les éléphants, les ours et autres gros mammifères vous intriguent. Vous vous demandez quels sont les dinosaures qui ont habité la région. Alors vous allez adorer le musée d'histoire naturelle de Lille. Cette institution impressionne par la richesse de sa collection, par ses squelettes de cachalots et de baleines suspendues, par ses insectes et ses araignées qu'on peut contempler de près. Ici, on largue les amarres. Bonjour. Pour un voyage à travers le temps et les continents. Vous les avez trouvés où, ces squelettes? Est-ce qu'il y a des animaux de la région? Il y a beaucoup d'animaux de la région, on peut aller voir les dinosaures par exemple. Alors allons-y, on vous suit. Je comprends pas, ce sont des dinosaures de la région. Ce sont des dinosaures de la région, effectivement. Des dinosaures ch'tis. Comment sait-on que ces dinosaures étaient peu présents dans la région? En fait, bah parce qu'on trouve des morceaux de dinosaures. En l'occurrence, vous avez ici, dans cette vitrine, des morceaux de dinosaures qui ont été trouvés dans des fouilles, ou aussi, ici, par exemple. Là, notamment, il y a des griffes, des dents, des vertèbres. Et après, c'est un petit peu le jeu du puzzle. Vous mettez les morceaux ensemble et ça vous permet de reconstituer de l'animal. Et donc, voilà, une sculpture de mégalosaure. Bon, toi, tu étais plutôt, quand tu étais petit... Course de voiture ou bataille de dinosaures? En tout cas, je garde vraiment un excellent souvenir de ce voyage scolaire qu'on avait fait ici. Et ça m'avait marqué, ouais, cet accueil-là. Ouais. Cachalot, la baleine, l'éléphant. Parce que bon, on était un peu plus petits, donc il était encore bien plus impressionnant. Ouais. Ouais. C'est impressionnant. Tu le mettrais dans ton salon? Non. On a ici un oiseau qui s'appelle un balbuzard pêcheur, qui est une espèce qui est hyper emblématique. C'est un rapace qui pêche. Toi, tu es plutôt oiseau, insecte, ouais, ou mammifère? Oiseau. Oiseau? Les facile. Oiseaux t'inspirent? Ouais, facile. Je m'en fous, je m'envole. Après, on a des voyages. Dans cette grande vitrine, qui est ici depuis presque 100 ans maintenant, dans le musée. Qu'est-ce qu'ils nous enseignent, tous ces mammifères? Au-delà de l'aspect de beauté, de diversité qui est frappante, entre la girafe et la toute petite civette, c'est aussi la question de comment est-ce qu'aujourd'hui on vit avec les animaux. Beaucoup de ces espèces sont en voie de disparition parce qu'on fait disparaître leur milieu. Et quel impact nous on a sur le monde, quel lien on a avec les animaux? On les tue, on les fait disparaître? C'est ces questions-là, vraiment, voilà. Quelle est la place de l'homme? Et quelle est la place
que lui s'octroie, parce que voilà, il prend facilement de la place, et puis comme tu disais, voilà, il chasse, il tue, il mange, enfin, comme si l'ensemble de la faune et de la flore était à son service, quoi, et comme si il n'y avait que lui et son propre petit destin entre guillemets qui comptait. Donc c'est bien de se resituer dans cette histoire-là, c'est notre histoire, celle des mammifères. Bon, bah c'était un beau voyage que tu nous as fait faire là. Hein, je m'en fous, je m'envole. Loin désormais, loin du bruit, du fracas de la ville, loin du cirque incessant et loin des courses folles, de ces files sans fin, des autos immobiles. Ashkar, ce sont vos initiales pour Adadi Kadour. Vous êtes le désormais célèbre auteur de On lâche rien. Depuis 2010, c'est devenu l'hymne de toutes les manifestations et les luttes sociales en France, également repris dans le film La vie d'Adèle. C'est d'abord dans la rue que vous vous êtes fait connaître. Ouais, ben moi j'ai toujours dit ma musique vient de la rue. Elle vient de là où je suis né, de là où j'ai grandi. Et c'est vrai que de l'entendre résonner et prendre sens dans la rue, ben voilà, pour moi ça veut dire quelque chose. Et je suis content de pas, voilà, beaucoup de gens nous connaissent à travers cette chanson. Je suis content qu'on ne me connaisse pas à travers un tube radio, voilà, la chanson facile, etc. Donc là, il y a du contenu, il y a du sens. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais voilà, en tout cas, ça porte certaines des idées qui sont les miennes. Ouais. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. La musique, c'est votre vie depuis que vous avez 15 ans. Vous avez formé plusieurs groupes, le plus connu c'est HK et les Saltimbanques. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette bande de Saltimbanques qui sont notamment des virtuoses au violon ou à la mandole? Ouais, ben c'est une bande de ch'tis, voilà, de ch'tis citoyens du monde. On s'est connus ici, dans ce petit coin, dans les Hauts-de-France, comme on dit maintenant. Et c'est vrai qu'on a formé cette petite bande de saltimbanques qui fait partie d'une bande un peu plus large, qui est celle, voilà, d'une grande famille musicale. Et on se retrouve souvent dans des projets à travers la France ou même des fois un peu plus loin, où on se dit, tiens, tu te rends compte, on s'est croisés il y a 15, 20 ans et puis on était là en train de répéter ou en train de faire un concert à Lille. Donc voilà, c'est extraordinaire. En 2015, justement, avec les Saltimbanques, vous sortez votre troisième album, Rallumeur d'étoiles. C'est un titre qui est inspiré d'un vers d'Apollinaire, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je crois que c'est un album que vous avez conçu sous forme d'hommage. Ouais, c'était vraiment rendre hommage à ces gens qu'on ne voit pas souvent dans les médias, qu'on n'entend pas à la radio, enfin, dont on ne lit pas forcément les histoires dans les journaux, qui font des petites choses, voilà, autour d'eux, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur ville, qui ont un engagement personnel ou alors qui ont un rayonnement, voilà, qui essaient de se dire, bah voilà, je fais ma petite part, le monde va mal, le monde va atrocement mal, et ce que je peux faire, c'est des petites choses autour de moi, et c'est ces gens-là qu'on appelle les rallumeurs d'étoiles. La légende des chasseurs de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Vous entretenez la lueur de l'espoir avec des actions sur le terrain, avec des concerts de soutien. Récemment, vous avez défendu la cause des migrants en composant la bande originale d'un documentaire qui s'intitule « J'ai marché jusqu'à vous, récit d'une jeunesse exilée ». C'est important de s'impliquer aussi dans le projet des autres. Sur l'idée de la cause des réfugiés, c'est juste de dire « ils sont nous et nous sommes eux ». Voilà, si nous-mêmes, on n'est pas réfugiés, il y a certainement un de nos parents, un de nos grands-parents ou un de nos arrière-grands-parents qui l'a été. Ou alors, ce sera un de nos enfants, un de nos petits-enfants ou un de nos plus lointains descendants qui le sera. On oublie souvent, par exemple, que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des bateaux pleins à ras-bord qui quittaient le port de Marseille, de citoyens français qui fuyaient le régime de Vichy pour aller se réfugier en Afrique du Nord. Ils étaient français et c'était pas il y a 3000 ans, c'était à 70, 80 ans. Donc on parle de nous en tant que dans notre humanité la plus profonde quand on parle de la cause des réfugiés. Prenons le large. Vous venez de sortir votre premier album en solo qui s'intitule L'Empire de Papier. Vous dites de cet album qu'il s'agit d'une résistance, je vous cite, musicale, poétique et rêveuse. On résiste vraiment en musique? Ce qui illustre bien ça, c'est justement la chanson qui clôt l'album, « Ce soir, nous irons au bal ».« Ce soir, nous irons au bal », c'est une chanson qui a été écrite au lendemain des attentats. Et c'était pour dire, voilà, notre seule réponse, la seule réponse que l'on peut, que l'on doit donner collectivement en termes de société, c'est pas celle du repli sur soi, c'est pas celle de la xénophobie, c'est pas celle de la peur, de l'angoisse. On peut, nous, se nourrir d'autre chose, qui est l'envie de danser ensemble. Et j'aime bien cette expression-là, « danser ensemble », parce que c'est bien plus fort que vivre ensemble. On peut vivre ensemble en étant côte à côte,
peut-être même dos à dos, en se tolérant vaguement. Non, danser ensemble, c'est faire un pas vers l'autre. Et dans ces moments-là, c'est tellement plus difficile d'aller vers l'autre. Et en même temps, c'est le chemin qu'on doit prendre aujourd'hui. Donc c'est une illustration d'une résistance rêveuse, d'une résistance dansante et fraternelle. Face à l'abomination, venue tout droit d'un autre âge, sans loi, sans exception, allons tous danser sous l'orage. Ce soir, nous irons au bal, ce soir, nous danserons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux, entre les balles. Un nouvel album, un nouveau livre aussi. Vous sortez un troisième roman qui s'intitule Le cœur à l'outrage. Où nous emmène votre plume cette fois-ci? Il nous emmène justement dans ce Paris du 13 novembre 2015. Un jeune couple qui sont à une terrasse d'un café, d'un de ces cafés où un fou va arriver et va canarder et où aura lieu un des carnages, j'allais dire, le plus sanglant que nous on ait connu, que notre génération ait connu ici en France. Et la question qui est posée dans cet ouvrage, c'est ça, c'est est-ce que cette période-là va nous voir nous séparer ou nous rapprocher? Voilà, c'est vraiment le développement de toute cette histoire-là, toutes ces questions qui se posent à nous en tant qu'individus et en tant que société. J'ai l'impression que depuis quelques années, votre engagement est davantage poétique. On est moins dans une forme de militantisme dur. J'ai l'impression qu'il y a chez vous une forme d'utopie assumée. Est-ce que je me trompe? Disons que j'essaie de toujours rester fidèle à mes engagements, à mes indignations. Après, la manière de l'exprimer, voilà, peut être différente. Avec toutes ces années, j'ai peut-être cultivé l'amour des mots, la passion des mots. J'aime cette idée de raconter des histoires qui, à un moment donné, vont nous amener à nous interroger, de partir du réel, de nos vies, pour créer un imaginaire et, avec cet imaginaire-là, questionner le réel. Donc voilà, la forme change, mais le fond reste le même. Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore, j'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul le bagage. Dans son émission, HK a choisi de nous présenter le graphiste qui réalise les pochettes de ses albums, Hicham. Il a débuté en imprimant sa patte sur les murs du Nord avec de larges graffitis. Et puis il a ouvert son champ artistique en explorant de nouvelles techniques. Ce touche-à-tout nous reçoit dans son atelier lillois. Alors voilà Valérie, je te présente Hicham. Bonjour. Enchanté Hicham, enchanté. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Je crois qu'aujourd'hui vous travaillez énormément sur des séries. Ouais. À partir d'idées. Tout à fait. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Là, je travaille sur une série que j'ai appelée The Crying Boy. J'aime beaucoup faire ce qu'on appelle ici les braderies, donc dans la région, c'est des têtes de brocante. Ouais. Et j'ai eu un flash sur ces espèces de reproductions un peu kitsch qu'on peut voir là-bas. Et du coup, je l'ai un peu customisé et en y apportant mes propres codes. C'est-à-dire, donc, des codes hip-hop, voilà. Donc, des codes hip-hop, des codes urbains, du graffiti, des blousons starters d'équipe, des maillots de Public Enemy. Donc tu as exposé et tu as vendu pas mal de toiles. Ouais, voilà. Le Crying Boys, moi j'en ai exposé pas mal. Ouais. Ensuite j'ai fait une série sur ce phénomène qui était les baskets suspendues au fil électrique. Oui, alors ça je crois que vous vous êtes inspiré de ce journaliste irakien qui a lancé sa chaussure à la tête de George Bush. Aussi, voilà, tout à fait. En fait, moi j'aime bien créer des liens plus ou moins conscients entre les choses. Alors il y a ce journaliste irakien qui a balancé sa godasse sur George Bush. Il y a les baskets suspendues au fil électrique et donc je me suis dit, la chaussure, il y a un truc à faire avec la chaussure. Donc j'ai fait toute une série là-dessus que j'ai appelée Showfitty, donc un mélange entre show et graffiti. Est-ce que tu as l'impression qu'avec des expressions artistiques très différentes, vous exprimez des choses similaires? Ouais, il y a le fait de prendre le patrimoine. Enfin, on les a tous eus chez nous, ces photos, ces dessins-là. Et donc, voilà, de reprendre quelque chose qui est du patrimoine commun, public, et de le retravailler à sa sauce, de lui redonner une deuxième vie, une nouvelle vie et un nouveau sens. Voilà, on fait la même chose, nous, avec les mots, avec la musique, et Hicham par le dessin. J'ai également travaillé pour Michael Jackson, pour... Ah bon? Ouais, j'ai fait une pochette pour Michael Jackson. Quel album? C'est The King of Pop. The King of Pop, c'est toi l'affiche? Ouais. Pas mal, hein? Ouais, puis il a fait des petits artistes comme ça, et puis après... Ouais, après il a fait des grands artistes comme toi. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et c'est maintenant l'heure de soumettre HK à notre questionnaire du Lille des Arts. «
concert Braderie de Lille 2006 où j'avais joué avec différents des groupes auxquels j'appartenais et on avait passé voilà, un vrai beau grand week-end. Ouais. Moi j'aurais dit le moule frites, c'est plus facile à dire, moule frites. Bah, dans le Vieux-Lille, la place du concert. Le A, marché d'Oisem ou la fête de la soupe. La fête de la soupe. C'est une institution, la fête de la soupe, tous les 1er mai, c'est la fête de la soupe à Lille. Le Lilo du groupe MAP, mon premier groupe, ministère des Affaires Populaires, qui était chanté par mon acolyte, Saïdi. Je suis un Lilo, un vrai de vrai, mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo, et alors, un vrai de vrai de Schnorr. C'est ma plus belle rencontre à Lille. C'est Saïd, c'est mon acolyte d'HKL Saltimbanque. Qu'est-ce qui manque à Lille? Ouais. Un petit peu de soleil de temps en temps. Sympa. Joli. Chaleureux. Merci HK, on Merci. Termine cette émission sous la pluie mais dans la bonne humeur. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à HK sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le pari des arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Non, on s'en fout. Ah, on vous écoute pas. D'accord. Ah oui, d'accord, on vous écoute. Là, on enregistre. Grand comédien devant l'éternel, on peut voir aux Oscars, aux César, aux Golden Globes, aux Golden Grams, tout comme ça.